Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai réussi par miracle aujourd'hui à faire fonctionner l'appareil. Je vois que vous n'avez pas de chaise. Tenez, j'en ai une ici, si vous voulez. Voilà. Alors, je vais commencer ce premier cours de l'année. Avec un certain nombre de renseignements pratiques. Donc, tout d'abord, je vous indique le site sur lequel tous les cours vont être placés les uns de semaine en semaine. Donc, ça n'est pas sur Moodle, hein, mais je vais indiquer sur Moodle le lien vers ce site. C'est un site personnel, philippemonneret.jimdofree.com. Donc, lorsque vous arrivez sur ce site, vous tombez sur cette page d'accueil et vous voyez à gauche une série d'onglets. Vous allez dans cours et séminaires, ici, et dans cours et séminaires, lorsque vous cliquez sur ce lien, vous tombez sur cette page dans laquelle il y a tous les cours que je donne cette année, et ici vous avez le cours qui nous intéresse, Master SDL Introduction aux linguistiques cognitives, de 13 à 14, le 658. Bon, quand vous cliquez sur le lien accéder au cours, vous tombez sur cette page dans laquelle il y a toutes les semaines, et puis pour chaque semaine, donc ici il n'y a pas encore de lien, bien sûr, puisque on n'a pas commencé. Mais ici, dans PowerPoint de la séance, enregistrement de la séance, chaque fois, vous aurez un lien dans lequel donc vous avez le PowerPoint en format PDF que vous pouvez télécharger. Donc, vous voyez que ce n'est pas la peine de prendre en photo ce que je mets, pas la peine de tout noter. Vous aurez de toute façon accès à l'ensemble du PowerPoint. Que je projette. Et puis, comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai un micro-cravate, j'enregistre la séance en même temps. J'ai aussi un dispositif qui, normalement, enregistre l'écran de mon ordinateur. Donc, je mets également en ligne, ou bien, si tout fonctionne bien, une vidéo dans laquelle vous avez le PowerPoint avec la voix, enfin, je veux dire, c'est-à-dire les images du PowerPoint défilent toutes seules, et puis vous avez ma voix qui commente les diapositives en même temps. Ça, c'est bon, normalement, si tout marche bien, ça fonctionne comme ça. Mais parfois, en raison d'un problème technique, j'arrive pas à faire le montage. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, je mets séparément, uniquement, l'enregistrement audio de la séance. Ça, en général, ça marche toujours. L'enregistrement audio de la séance. Dans ce cas-là, vous avez... vous cliquez sur cet enregistrement, ce sont des liens sur YouTube, hein. Vous avez récupéré sur YouTube ces enregistrements, à ce moment-là, c'est à vous de faire défiler vous-même manuellement les diapositives en écoutant le cours, et comme ça, vous pouvez reconstituer le cours comme si vous étiez présente. Hein. Donc, ça signifie que si un jour vous ne pouvez pas venir... Bah, de toute façon, vous pouvez toujours récupérer le cours de cette façon-là. Il y avait des problèmes liés à l'épidémie et que vous deviez, on partage le groupe en deux, il y a un certain nombre de personnes qui sont en train de demander ça, que les salles soient moins remplies et qu'on fasse deux groupes. Dans ce cas-là, j'utiliserai également ce procédé. Et si jamais, par malheur, on devait vraiment fermer les locaux, eh bien, je continuerai de toute façon, de semaine en semaine, toutes les semaines, à mettre un cours en ligne que j'enregistrerai moi-même. Avec deux possibilités, à ce moment-là, on verra selon comment les choses se présentent. Ou bien, je ferai un cours par Zoom, hein, live, quoi. Live, c'est-à-dire dans le créneau horaire du cours normal, je ferai un cours, vous vous connecterez à Zoom, une autre application, hein, quelconque, et puis je ferai cours, mais même si je fais ça, de toute façon, j'enregistrerai,
et le cours sera toujours disponible. Donc en principe, il y aura toutes les semaines un cours de disponible sur ce site, que vous veniez ou pas. Hein, ça vous laisse comme ça la liberté de faire comme vous voulez. Moi, de toute façon, je ne vérifie pas la présence. Hein, j'estime que vous êtes suffisamment adulte pour savoir ce que vous avez à faire. Bien sûr, je sais pertinemment qu'il est beaucoup plus agréable de suivre le cours en vrai. On comprend mieux qu'en ligne. Mais si on le fait une fois de temps en temps, ça marche aussi très bien. Hein, c'est pas très grave si vous ne pouvez pas venir une fois et que vous suivez le cours en enregistrement. La fois d'après, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, vous les demandez, et puis on peut fonctionner comme ça. Donc voilà, là, ça c'est l'aspect très très matériel pour récupérer les cours au-delà de la simple présence dans la salle au moment voulu. Alors maintenant, je dis quelques mots des attentes de ce cours. Alors le contenu, bon, ben, c'est simple, je vais vous présenter l'émergence, la naissance des concepts, des principaux concepts qu'utilisent les linguistiques cognitives. Donc, il y aura un aspect un peu historique, mais pas, ce ne sera pas une véritable reconstitution historique des linguistiques cognitives, mais disons, je vais vous montrer aussi rapidement que possible, aussi efficacement que possible, comment naissent et quels sont les concepts principaux des linguistiques cognitives. En deuxième année, vous aurez un autre cours avec d'autres professeurs qui vont cibler sur des théories plus particulières. Mais disons que moi, mon rôle, c'est de vous donner un aperçu général de ces linguistiques cognitives. Et je ne vous donne pas de bibliographie au début du cours. Hein, je vous donnerai des références au fur et à mesure. En général, toutes les références que je vous donne sont accessibles en ligne par des liens. Je mets les textes à disposition. Donc, vous n'avez pas tellement vous n'avez pas de livres à acheter particulièrement pour ce cours. De toute façon, en français, il n'existe presque rien, à part un livre dont je vous parlerai de Nicole Delbecq. Mais sinon, tout est en anglais. Hein. On le verra, les linguistiques cognitives sont malheureusement très peu développées en France. Il y a peu d'universités dans lesquelles il y a un cours comme ça d'introduction aux linguistiques cognitives. Donc ça reste, disons, les publications sont surtout en anglais. Donc il y a des manuels, hein, des handbooks de linguistique cognitive, on en parlera. Si vous tombez dessus, ça peut être intéressant. Alors maintenant, pour l'évaluation de ce cours, il n'y a pas un examen à la fin de l'année, c'est un travail personnel que vous devez rendre, qui donc est personnel, mais selon si la quantité de travail est un peu plus importante, vous pouvez vous mettre en groupe à deux ou trois personnes maximum. Bon, vous pouvez éventuellement faire un exposé ou bien un travail écrit, mais là, souvent, les étudiants préfèrent rendre un travail écrit, mais la possibilité de l'exposer reste ouverte pour ceux qui le souhaitent. Alors, vous devez choisir un sujet qui, évidemment, a un rapport direct avec les linguistiques cognitives. Donc, vous devez traiter un sujet qui appartient au domaine des linguistiques cognitives. Ce sujet, vous devez le trouver vous-même. Ça fait partie du travail. Hein. Vous devez vous-même explorer Internet, aller sur des sites de linguistique cognitive. Il y a notamment l'Association internationale de linguistique cognitive qui peut vous rendre des services, mais vous savez utiliser, vous êtes en master, vous savez utiliser Google Scholar, vous pouvez utiliser cela pour trouver des textes qui relèvent de la linguistique cognitive. Cherchez en anglais hein, aussi, parce que comme je vous l'ai dit, il y a peu de choses en français, mais j'insiste sur le fait que la recherche du sujet fait vraiment partie du travail à faire, parce que pour moi, c'est une façon, une occasion qui vous est donnée d'explorer par vous-même ce champ, et puis d'essayer de trouver quelque chose dans ce qui vous apparaîtra au début comme quelque chose de très compliqué, mais peu à peu, vous allez comprendre, et de choisir un sujet qui vous intéresse et de commencer à le travailler. Bon, donc vous choisissez un sujet. Alors surtout, donc, je précise, hein, ce n'est pas la peine de me dire « Monsieur, je ne trouve pas de sujet, est-ce que vous pouvez m'en donner un ?» Non, je ne vous en donnerai pas, c'est à vous de le trouver. Hein.
Éventuellement, pour les étudiants étrangers, vous pouvez me proposer la traduction d'un article scientifique qui n'est pas disponible en français ni en anglais, bien sûr, hein. Donc, je sais pas, c'est arrivé des années précédentes pour les étudiants chinois, les étudiantes chinoises qui... Bon, il y a des articles qui traitent de la linguistique cognitive qui sont écrits en chinois que moi je ne peux pas lire, donc les traduire, c'est intéressant. On peut même traduire. Vous pouvez traduire un article avec, en donnant aussi une petite synthèse, hein, c'est faut traduire, mais aussi le résumer en une page à peu près. Si l'article est très long, ou alors si c'est un chapitre de livre, par exemple, bah, c'est là où vous pouvez vous mettre à plusieurs pour la traduction, hein. Donc, le travail personnel peut être choisi à partir d'un thème, ou c'est tout simplement un compte-rendu d'une lecture, hein, d'un ou plusieurs articles ou livres. Bon, voilà. Donc, c'est à vous de me proposer des sources bibliographiques je le valide. Et ensuite, vous rédigez. Mais. J'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas trop attendre, hein. Essayez de trouver cela assez rapidement, parce que l'année passe vite, hein, le semestre passe vite. Je dois en plus vous donner une note à la fin du premier semestre. Donc, vous devez rendre une première étape de votre travail, hein, pardon, je reviens, une première étape de votre travail qui doit faire à peu près 5 pages. Où vous présentez votre sujet, vous faites un peu le plan, la bibliographie, ou alors, enfin bon, peu importe, hein, ce que vous rendez, mais il faut rendre à peu près 5 pages qui montrent une étape du travail pour au plus tard le 4 janvier. Donc ça signifie qu'il faut vraiment au plus tard fin octobre, il faut que vraiment j'ai validé tous les sujets, donc il faut commencer à chercher dès maintenant. Et puis donc, vous rendez une première étape, et la deuxième étape, le texte final, qui doit faire une quinzaine de pages, vous le rendez pour le 17 mai. Hein? 17 mai. Alors, il y a un certain nombre de contraintes, hein? Les normes de l'écrit académique français, je vais les préciser tout à l'heure. Alors, un petit détail. Faites bien attention, quand vous envoyez vos fichiers, d'indiquer le nom et l'intitulé du cours. Ici, introduction aux linguistiques cognitives et votre nom. Et puis ensuite, sur la première page, vous donnez tous ces renseignements. Mais je précise cela parce que je reçois parfois des fichiers intitulés linguistique cognitive, sans nom, sans rien. Et là, le fichier peut se perdre s'il n'y a pas votre nom. Donc il faut absolument que vous preniez l'habitude de bien nommer. Les fichiers que vous envoyez au professeur. Faites attention aussi, je me permets de vous le conseiller, à faire, quand vous envoyez un mail au professeur, à mettre un objet dans l'objet du mail, bien préciser quel est l'objet de votre mail. Parce que, tout simplement, si on veut vous retrouver dans nos boîtes mail, l'objet joue un rôle important. Alors, certains d'entre vous étaient à mon séminaire hier, donc je suis désolé pour eux, ça va un peu se répéter, mais je vais reprendre un peu ce que les normes de l'écrit académique. Alors attendez, il faut que je branche mon ordinateur parce que sinon il va nous lâcher. Voilà. Donc j'ai déjà expliqué ça pour les étudiants qui suivent mon séminaire, mais comme vous êtes nombreux évidemment à ne pas le suivre, je vous donne quelques indications. Je vais aller assez vite, hein, vous pourrez relire ça. Gardez bien ce PowerPoint, ce premier PowerPoint de l'année. Il y a les dates de remise des devoirs, les consignes, hein, donc gardez-le bien, ça vous sera utile pour savoir quoi rendre pour l'évaluation, hein, et ça vous évitera de m'écrire en me disant « Ah, c'est pour quand qu'il faut rendre le devoir ?» Bon, je vous le dis une fois pour toutes, hein, c'est pas la peine de me le demander 10 fois pendant le semestre.
Alors, donc, il faut une page de titre, bien sûr, un titre qui peut avoir éventuellement un sous-titre. Il faut bien choisir votre sujet en indiquant les termes et les notions principales. Et puis, bon, éventuellement, les hypothèses de travail, mais cela vaut surtout, au fond, pour le mémoire hein, de master. Alors, votre texte comportera forcément des notes et puis des citations et des exemples. Alors, les notes, évidemment, elles donnent des renseignements complémentaires. Il doit y avoir des notes, hein. Forcément, le fait de maîtriser les notes, les citations, la bibliographie, ça montre que vous maîtrisez l'écrit académique français. Vous savez comment un universitaire écrit un texte. C'est pas la même chose qu'un journaliste ou qu'un écrivain, un romancier, tout ce que vous voulez. Il y a des sortes de normes de l'écrit universitaire, et ça fait partie de votre apprentissage, en fait, en master, hein. Bon, donc, les notes en bas de page, les citations et les exemples. Alors, les citations, vous indiquez les références sur ce modèle, hein. Nom de l'auteur, année, deux points, page. D'accord? Comme ici, Amossi 2000, 2.12, c'est-à-dire Amossi 2000 par page 12. Et ensuite, on retrouvera cette référence dans la bibliographie. Lorsque vous citez une idée d'un auteur, vous n'êtes pas obligé de mettre des guillemets, hein. Par exemple, si vous dites « Ruth Amossi considère que l'analyse du discours est ceci, cela », bon, sans citation, vous résumez une idée de l'auteur, vous ne mettez pas de guillemets, mais vous pouvez mettre la référence pour qu'on sache, quand vous permettez de dire que Ruth Amossi considère cela, bah, qu'on sache sur quoi vous vous basez pour dire ça. Hein. D'une manière générale, on n'attend pas de vous forcément que vous inventiez des choses qui sortent de nulle part, mais que vous indiquiez, que vous développiez une certaine connaissance d'un champ, d'un sous-domaine de la linguistique, et que vous montriez que vous dominez ce domaine, en indiquant les références bibliographiques et en montrant que vous avez compris et que vous savez vous promener dans ces références bibliographiques avec une certaine aisance. Donc, c'est pas grave si vous répétez la pensée des autres. C'est normal, hein, en master. Mais il faut le faire correctement. Quand vous citez, hein, vous mettez des guillemets, d'accord? Si vous reprenez un texte écrit par quelqu'un d'autre, vous mettez des guillemets. Et donc, comme ici, vous voyez, en d'autres termes, l'analyse serait en elle-même un outil critique, et vous indiquez la référence juste après, comme dans le cas précédent, nom, année et page. Si la référence est tronquée, si vous coupez un morceau de la référence, vous mettez des points de suspension entre crochets. Lorsque la citation est un peu longue, alors, on ne met pas de guillemets, mais on décale. Hein. On décale le texte à droite pour que ça apparaisse bien. Vous voyez, votre texte, admettons, c'est ça, il est collé sur la marge de gauche, là. Et votre citation, elle est décalée un peu à droite, et toujours pareil, il y a la référence juste après. Les citations, dans les normes en usage en France, ne sont pas en italique, jamais. Hein. Une précision très importante sur la question de la citation. Si vous copiez-collez un morceau de texte sans guillemets, c'est du plagiat. Alors, vous savez que les universités sont maintenant extrêmement vigilantes, et puis on a des logiciels qui permettent de détecter le plagiat. Donc, ne vous amusez pas à faire cela, parce que là, vous avez la note de zéro, et vous n'avez même pas le droit de vous réinscrire en master. Donc, pas de plagiat. C'est vérifié. Si vous copiez même des morceaux de texte sans mettre de citation, c'est considéré comme une fraude aux examens. Donc faites bien attention, mettez les guillemets, dites d'où vous viennent les idées que vous développez. Alors, les exemples, quand il y en a en linguistique, traditionnellement, on les numérote, et selon les cas, on peut les mettre, eux, en italique. Ensuite, les références bibliographiques. Donc, vous voyez, quand on adopte un système comme celui-ci, de type Amossi 2000, page 12, il faut que la bibliographie soit cohérente. Hein. On retrouve Amossi 2000 ici. Donc, je vous donne ici une indication, une façon
Parce que des normes de bibliographie, il y en a plusieurs sortes. Hein. Donc je vous invite à suivre cette référence. Ce type-là, voyez ici un extrait d'une revue avec des exemples. D'une manière générale, en fait, quand vous ne savez pas, quand vous hésitez, prenez un modèle. Alors, par exemple, vous pouvez vous inspirer de cette revue qui est une revue très ancienne, Le Français Moderne. Vous voyez, le premier numéro date de 1933. Vous allez sur le site du Français Moderne, vous cliquez sur Le Français Moderne en ligne et vous récupérez gratuitement, non pas les tout derniers numéros qui sont payants, hein, mais par exemple des numéros, je pense que 2010, 2012, ça doit être d'accès libre. Et vous regardez comment est fait le texte, l'article, hein, comment il traite. Si vous ne vous souvenez plus comment on indique un article dans la bibliographie, vous prenez un exemple dans une revue de linguistique et vous faites la même chose. Pas la peine forcément de retenir des règles compliquées. Si vous ne savez plus, vous prenez le modèle, vous prenez un modèle, vous prenez un exemple et vous faites la même chose. Alors maintenant, les critères d'évaluation de ce travail que vous allez me rendre. En général, tout le monde a au moins 10 sur 20. Hein, je veux dire, c'est très rare. Ça m'est arrivé une fois ou deux, quand le travail est vraiment bâclé, de mettre en dessous de la moyenne. Mais la plupart du temps, vous avez au moins la note de 10, puisque de toute façon, c'est un travail personnel. Tout le monde fait un peu de travail. Bon, mais ensuite, il y a quand même des différences entre des gens qui ont 10, 11, 12, et puis d'autres qui peuvent avoir 17 ou 18. Hein, donc, il y a quand même de grandes différences. Alors, sur quoi je me base pour mettre une note à vos travaux? Bon, d'abord sur la qualité de la présentation. Est-ce que est-ce que le texte est bien présenté, du point de vue de la mise en page, etc. Est-ce que c'est agréable à lire? La qualité de la rédaction en français. Alors ça, évidemment, c'est plus compliqué pour les étudiants étrangers, les étudiantes étrangères. Mais là, je vois pas tellement d'autres solutions que d'essayer de vous faire relire par des amis français. Il faut trouver des solutions parce que sinon, évidemment. J'en tiens compte, hein. Je ne suis pas aussi exigeant avec les étudiants étrangers sur la qualité du français qu'avec les autres, mais quand même, il y a un minimum, si vous voulez, si vous écrivez vraiment des choses totalement incompréhensibles, là, forcément, vous allez avoir une moins bonne note. Le respect des normes que j'ai énumérées tout de suite, la pertinence du sujet. Alors, est-ce que le sujet que vous avez choisi est bien dans le champ des linguistiques cognitives ou pas? Ou est-ce que vous avez choisi un truc que vous connaissez déjà un peu, qui a un vague rapport avec les linguistiques cognitives, mais que vous avez choisi parce que parce que c'était une facilité pour vous, mais en réalité, ça n'a pas tellement de rapport avec ce qu'on traite dans le cours. Donc là, ça peut être plus ou moins pertinent. Le sujet peut être plus ou moins original. Hein, c'est-à-dire, il y a des sujets bateaux. Par exemple, on va voir la métaphore conceptuelle chez Lakoff et Johnson. Là, j'accepterai même pas, hein, si vous me dites je fais un résumé du livre de Lakoff et Johnson sur les métaphores conceptuelles, parce qu'on va le voir en cours de toute façon. Donc voilà, il faut quand même un sujet un petit peu original, essayer de trouver. Alors évidemment, vous aurez beaucoup de mal à évaluer l'originalité du sujet, mais c'est moi qui vais vous le dire. Hein. Ensuite, la qualité scientifique, est-ce que c'est précis, détaillé? La quantité de travail fourni, ça je le vois très bien. Hein. Ça fait une différence quand même entre des gens qui rendent 10, 11 pages, alors que j'en demande 15, et puis ceux qui en rendent 30, hein, parfois. Donc il y a une quantité de travail aussi qui apparaît et que je prends en considération. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut écrire 30 pages. Hein. J'en attends 15, donc il faut que ce soit autour de ça. Mais on voit très bien, parce que c'est même pas d'ailleurs une question de quantité, les professeurs peuvent très facilement apprécier si un travail a pris un week-end à faire, vite fait, et puis un autre, il a pris vraiment 2 mois ou 3 mois à faire. Hein. Ça, il ne faut pas vous imaginer qu'on est dupe de ça. On le voit très bien. Si vous avez fait ça vite fait au dernier moment, ça se voit tout de suite. Donc ça, on évalue la quantité de travail, et puis on évalue si vous le rendez dans les dates. Hein. Si vous ne le rendez pas dans les dates, ça compte aussi. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'organisation du cours, sur l'évaluation, des points que j'aurais oublié de signaler? Ça va, c'est assez clair. Donc on va commencer. Alors,
Je vais donc commencer par cette année 1956, qui est en fait, en raison d'une coïncidence assez curieuse, vraiment une date de naissance, l'année 1956 aux États-Unis, une date de naissance de quelque chose de nouveau, hein, et qui va être liée à l'émergence des sciences cognitives. Enfin, des linguistiques cognitives en particulier, mais aussi des sciences cognitives en général. Donc, le 11 septembre 1956, au MIT, hein, vous avez un colloque sur la théorie de l'information. Et vous avez notamment trois conférences, l'une de Newell et Simon, sur intitulée donc, « Logic Theory Machine », une de Chomsky, Three Models of Language, et puis une de George Miller, Magic Number 7, Plus or Minus 2. Donc, ces trois articles vont être des articles qui vont, disons, lancer un peu ce mouvement de la linguistique cognitive. Alors, pour Newell et Simon, ce sont eux qui vont écrire les premiers programmes d'intelligence artificielle. Hein, vous voyez, 56-57. Chomsky, bon, là, c'est quelqu'un que vous connaissez, donc il propose un texte dont j'ai dit qu'il était intitulé Three Models of Language, mais bon, qui est en fait ce texte, il a un peu disparu de la circulation, mais c'est ce que vous avez dans le premier livre un peu connu de Chomsky, Syntactic Structures, que j'ai indiqué ici, qui va paraître juste après, où donc Chomsky introduit le concept de transformation. Donc, comme cela est indiqué ici, il décrit le langage avec une précision formelle, un petit peu axiomatique, hein, avec des formules, etc., d'une manière telle qu'on ne l'avait jamais faite auparavant, et qui rend imaginable qu'on puisse implémenter dans des machines ces descriptions du langage. Donc ça crée un lien entre linguistique et ce qu'on n'appelle pas encore l'intelligence artificielle, mais l'informatique. Et puis Miller, il est à l'origine de cette théorie sur la mémoire, hein, sa communication Magical Number 7, c'est l'idée que, en fait, quand vous devez, on ne peut pas mémoriser plus de autour de 7 informations, plus ou moins 2. Hein. C'est-à-dire que si on demande à un très grand nombre de sujets de mémoriser, par exemple, une suite de lettres, ben, la plupart des gens, ou une suite de nombres, peu importe, les gens, la mémoire s'arrête à 7 à peu près, hein, plus ou moins 2. D'accord ? 7 unités qu'on peut mémoriser. C'est une démonstration et c'est un point extrêmement important, mais c'est 7 unités, chaque unité elle-même peut être constituée de plusieurs unités. Donc, je sais pas moi, si vous devez mémoriser votre numéro de carte bleue, par exemple, il y a, je sais plus, genre 4 paquets de chacun 4 nombres. Bon, en fait, ça veut dire que vous mémorisez 4 choses. Et à l'intérieur de chacune des 4 choses, vous mémorisez 4 choses à chaque fois. Ça fait que 4 unités de mémorisation à chaque fois. Hein. Donc, ça se cumule, mais on ne peut pas mémoriser plus de 7. Bon, bref, je passe. Ça ne nous intéresse pas, c'est de la psychologie, mais... Enfin, disons, c'est pas parce que c'est de la psychologie que ça ne nous intéresse pas, mais disons, approfondir cette question de la mémoire serait hors de propos ici. Je le mentionne simplement parce qu'il faisait partie de ce groupe. Alors, voici ce que Miller disait comme témoignage, hein, vous voyez, dans un livre qu'il a publié bien après, en 2003, sur la révolution cognitive, sur l'histoire de la révolution cognitive. Il dit « Je suis sorti de ce symposium, de ce colloque, hein, avec une forte conviction, plus intuitive que rationnelle, que la psychologie expérimentale humaine, la linguistique théorique et la simulation informatique des processus cognitifs rationnels étaient des morceaux d'un tout plus large » et que le futur verrait leur progressive élaboration et coordination
avaient et la coordination de leur but, de leur problématique commune, hein, partagée. Bien. Donc effectivement, mais il le dit rétrospectivement, vous voyez, c'est toujours un peu de la reconstruction rétrospective. C'est vrai que ces liens entre informatique, psychologie, linguistique sont nés à ce moment-là. Hein. On a commencé à avoir des outils communs. Et c'est cela qui s'est développé peu à peu, qui se développe encore aujourd'hui dans la perspective de l'intelligence artificielle, du lien, enfin, par exemple, du dialogue homme-machine. Bon, il y a toutes sortes d'applications, j'aurai peut-être l'occasion de reparler. Simplement, le point sur lequel j'attire ici votre attention, c'est que les sciences cognitives, et en particulier la linguistique cognitive, naît dans un contexte pluridisciplinaire. Hein, pluridisciplinaire. Ce ne sont pas que des linguistes. La linguistique cognitive, elle naît d'une collaboration entre des linguistes, des psychologues et des informaticiens. C'est pluridisciplinaire dès l'origine. Alors, il se trouve, par hasard, que la même année, en 56, mais dans une autre ville, à Dartmouth, il y a eu aussi alors non pas un colloque, mais là, plutôt une école d'été, hein, ce qu'on appelle une école d'été en intelligence artificielle, avec un certain nombre d'auteurs, dont certains sont devenus célèbres. Vous retrouvez Newell et Simon, mais il y a aussi McCarthy, Minsky, Shannon et d'autres. Et la description de ce qui s'est passé pendant cette école d'été est la suivante, comme le disent ici dans leur projet. En fait, ça, c'est un extrait du projet que McCarthy et ses collaborateurs ont proposé pour à leur hiérarchie, pour organiser, disons, ce travail. Donc nous proposons que qu'il y ait un travail pendant 2 mois avec une dizaine de personnes, un travail sur l'intelligence artificielle, donc pendant l'été 1956 au Dartmouth College. Et donc cette étude est fondée sur l'idée que chaque aspect de l'apprentissage ou tout autre trait de l'intelligence peut en principe être décrite de façon telle qu'une machine puisse la simuler. Donc l'idée, c'est que on décrive les processus cognitifs, ça n'est pas dit comme ça, mais c'est ce que ça signifie, hein. On décrive les processus cognitifs de telle sorte qu'ils puissent être simulés par des machines. C'est ça leur objectif. Une tentative sera faite pour montrer comment faire des machines qui utilisent le langage, forment des abstractions et des concepts, résolvent des problèmes qui sont réservés aux humains et s'améliorent elles-mêmes. Alors ça, c'est quelque chose qui est possible maintenant vraiment, mais qui à l'époque était quand même très, très précurseur. Nous pensons qu'une avancée significative peut être faite si l'un ou plusieurs de ces problèmes est travaillé par un groupe sélectionné de scientifiques, hein, qui vont travailler pendant un été. Alors vous voyez, ça c'est un anniversaire, je crois que c'était ça devait être en 2006, un anniversaire des 50 ans, avec donc les auteurs là qui ont un peu vieilli par rapport à la photo précédente, mais bon, c'est normal. Et donc on a là, dans ces années 50-60, les premiers fondements de ce qui est perçu comme une science naturelle de l'esprit. Alors, je l'ai dit, hein, il y a une dimension pluridisciplinaire et une sorte de convergence entre la linguistique, la psycholinguistique, la cybernétique, les sciences de l'informatique, de l'information, sur l'esprit considéré comme un système cognitif. Hein, vous voyez, l'idée, c'est qu'on essaie de développer quelque chose comme une science de l'esprit. Alors, bon, il ne faut pas être trop exigeant sur le sens de science, mais ce qu'on veut dire, c'est que l'esprit va être approché d'une manière différente. Différente de quoi ? Quelle est
Quelle est la discipline qui s'occupe traditionnellement, hein, de décrire ce qui se passe dans l'esprit humain? Alors oui, mais ça c'est même dans l'inconscient. Hein, mais bon, traditionnellement, c'est la philosophie, la psychologie. Hein, sachant que à cette époque-là, la psychologie est une branche de la philosophie. C'est pas encore la psychologie très expérimentale, enfin, ça a commencé un peu, mais. Donc là, on veut sortir d'une conception, disons, purement théorique et verbale, hein, de la description de l'esprit humain pour aller vers une science de l'esprit humain. Est-ce que c'est possible? Alors, c'est tout un débat, on y reviendra. Mais plus spécifiquement, à l'époque, en tout cas pour quelqu'un comme Chomsky dans le champ de la linguistique, c'est une réponse à un courant qui s'appelle le behaviorisme, donc le comportementalisme. Hein. Le modèle behavioriste, il est fondé sur l'idée qu'on ne peut décrire que ce qu'on peut observer. Donc, on observe des stimuli, on a un sujet, il éprouve un certain nombre de stimuli, on lui envoie un certain nombre de stimuli. Et puis, il y a un système, une boîte noire, hein, donc il se passe des choses, on ne sait pas comment ça se passe, et il y a une réponse. Et donc, le behaviorisme, il considère qu'on fait varier le stimulus et on regarde les réponses. Et c'est ça qu'on peut étudier scientifiquement. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans la boîte noire, c'est-à-dire, en gros, dans le cerveau. Bon. Eh bien, contre ce modèle, les cognitivistes considèrent qu'on peut ouvrir la boîte noire et donc qu'il y a des stimuli qui sont les inputs dans le système, les informations d'entrée dans le système cognitif. Le système cognitif est lui-même conçu comme des processus, hein, cognitifs, des événements mentaux, et puis il y a un comportement en sortie. Hein. Mais on va essayer de décrire ces processus qui transforment donc les inputs et qui produisent un certain type de comportement. Donc, le système cognitif est vu comme un système de traitement de l'information, et donc, ça signifie que nos états mentaux véhiculent de l'information sous forme de symboles, de représentations, et cette première caractéristique, l'idée que bon, bah, il faut bien, si on veut décrire l'esprit comme un système cognitif, il faut bien que pour le décrire, j'ai des unités de la description. Qu'est-ce que je vais décrire dans mon système cognitif, hein? Je sais pas moi, quand on fait de la chimie, on décrit, on a ce sont les éléments chimiques, hein, qui sont la base de la chimie. Bon, ben là, pour la physique, ça va être par exemple l'atome, hein, l'élément de base sur lequel on va travailler. Bon. Dans les sciences cognitives, quel va être l'élément de base? Ben, ce va être la représentation. Hein. Ce sont les représentations qu'on appelle aussi des symboles à ce moment-là, langage ou image, et d'où la dénomination, enfin, d'où une première caractéristique de ces sciences cognitives qui est le représentationnalisme. Ensuite, deuxième point, ces représentations, on peut effectuer des calculs, hein, à part sur elles. On peut prévoir des transformations régulières, donc elles sont traitées comme des symboles sur lesquels on peut effectuer des calculs. C'est ce qu'on appelle le computationnalisme. Et cette approche, mais j'y reviendrai la semaine prochaine, elle légitime une analyse séparée, hein, des systèmes cognitifs, indépendante du substrat biologique, hein, du cerveau humain. C'est-à-dire que le système cognitif en tant que système de traitement de l'information, il peut être étudié dans cette dimension de traitement de l'information, indépendamment du fait de savoir si c'est telle ou telle zone du cerveau qui est sollicitée. Donc, il y a une différence entre... les sciences cognitives ne sont pas forcément les sciences du cerveau. Hein.
Et c'est ce qu'on appelle le fonctionnalisme. Mais j'y reviendrai la prochaine fois. Alors, ce fonctionnalisme n'empêche pas l'idée que la vie mentale est tout de même fondée sur des processus naturels, qui sont eux-mêmes ultimement physiques, c'est le naturalisme. Et cela qui justifie, pour quelqu'un comme Chomsky, par exemple, l'idée que la linguistique, au fond, ça fait partie de la biologie. Hein. Bon, ce qui est une position que ne partagent pas tous les linguistes. Alors, on peut examiner tous ces points plus en détail à partir d'un article que je commenterai la semaine prochaine, parce que là, je vois que le temps du cours se termine. Alors, est-ce que vous avez des questions sur des points de détail, sur ce que je viens d'expliquer? Bon, peut-être pas, vous pourrez les poser au début du cours de la semaine prochaine. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et donc je vous dis à la semaine prochaine. Merci.